Bonjour à tous! Aujourd'hui, on va parler de calendrier de l'Avent. Vous allez me dire, mais on est en octobre, pourquoi est-ce qu'elle nous parle déjà de calendrier de l'Avent? Eh bien, première nouvelle, Noël, c'est dans 74 jours, à compter d'aujourd'hui. Ça approche à petits pas, mais ça approche. Et le calendrier de l'Avent, il nous le faut au moins 25 jours auparavant, ce qui nous fait un décompte de 49 jours. Vous allez me dire, 49 jours, c'est quand même beaucoup. On a encore le temps. Et c'est vrai. Mais il faut quand même le choisir. Et la raison principale de cette vidéo, qui est quand même assez précoce, c'est que certains calendriers sont très prisés et ils sont sold out rapidement. Alors, il vaut mieux se décider et se préparer à l'avance. Et pour ne pas faciliter les choses, il existe des tas de calendriers de l'Avent. On en retrouve qui sont proposés par des marques, des magasins ou même des box. Il y en a vraiment pour tous les goûts, donc dans tous les domaines, que ce soit beauté, alimentation, et aussi on en retrouve à tous les prix. Bien sûr, il faut se fixer une limite, parce que sinon après on dépense sans compter. En général, ma limite c'est à 50 euros, je vais pas au-delà. Mais en fait, en y regardant d'un peu plus près, je me suis rendu compte qu'il y avait des calendriers qui étaient vraiment sympas pour un tout petit peu plus que 50 euros. Alors j'ai décidé de fixer la limite à 60 euros. Dans cette vidéo, je vais vous parler de quelques calendriers de l'Avent qui ont l'air très sympas et qui sont en dessous de cette limite de 60 euros et pour lesquels je suis tentée. Mais j'avoue que mon porte-monnaie n'est pas immense, alors le plus dur c'est de faire un choix et d'en prendre qu'un seul. Je vous avoue que j'ai pas encore décidé lequel j'allais prendre, mais en tout cas je vais déjà vous les présenter. Tous les calendriers de l'Avent que je vais vous présenter aujourd'hui sont des calendriers à 24 cases. Alors vous allez me dire, c'est logique, normalement un calendrier c'est 24 jours auparavant, mais j'ai été étonnée de voir qu'il y ait des calendriers qui proposent 12 cases seulement. Alors voilà, je pense que c'est important de le préciser. Ce sera 24 cases. On va commencer par des calendriers de nature et découverte. Et oui, ils en font plusieurs et j'en ai sélectionné deux. Donc le premier est un calendrier de l'Avent basé sur des thés et des rooibos bio. Donc c'est des thés et rooibos en sachet. Et c'est un calendrier qui est au prix de 19,95 €. Le design de la boîte est plutôt sympa. Il est assez épuré avec une théière au milieu, ce qui rappelle du coup le thé. C'est plutôt sympa. Et à l'intérieur, quand on l'ouvre, eh bien, on a un arbre du coup, qui contient les différentes cases. Sur le site de Nature et Découverte, on peut avoir le contenu de ce calendrier. Donc on a les différents thés et rooibos qui sont présents dans ce calendrier. Et donc on peut voir qu'on a en majorité des thés, donc des thés verts, des thés noirs, même un thé bleu, je ne connaissais pas. Et on a donc 4 rooibos à l'intérieur. Et chaque case va contenir un sachet. L'année dernière, j'avais craqué pour un calendrier de l'Avent sur les thés bio de Nature et Découverte. Donc c'est ce que vous voyez ici. Donc le design était différent. C'était sous forme de petits cubes qu'on pouvait donc retirer et ouvrir. Et à l'intérieur de ce cube, on avait encore un emballage plastique pour avoir notre sachet. Donc du coup, c'est vrai que ça faisait beaucoup d'emballage. Le calendrier de cette année est un peu plus soft niveau emballage, ce qui n'est pas plus mal. Le prochain calendrier de Nature et Découverte dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est un peu un calendrier dans la série Petit Déjeuner, puisque c'est un calendrier qui va contenir des petites confitures bio et des thés et rooibos. Donc j'ai trouvé le concept plutôt sympa. Donc ce calendrier est proposé au prix de 39,95 €. Encore une fois, on peut retrouver la description en ligne sur le site de Nature et Découverte. On va retrouver, comme je le disais, des thés. Donc on va avoir du thé vert, du thé noir comme tout à l'heure. Aussi du rooibos. À la différence de tout à l'heure, on va avoir deux fois la même saveur de thé.
Alors que le calendrier précédent, c'était vraiment un thé différent par case. Et cette fois, on va retrouver également des confitures bio. Donc du coup, là, il va y avoir 9 confitures présentes dans le calendrier. Et on va retrouver 2 fois certaines confitures, comme par exemple la confiture bio fraise verveine. Donc les goûts ont l'air assez sympas, quand même, faut le dire. Fraise verveine, framboise géranium, mirabelle cannelle, mangue passion. C'est assez original. Bah, j'ai trouvé le concept de ce calendrier assez original, c'est pour ça qu'il est présent dans cette liste. Du coup, après, à voir. Dans la série Petit Déjeuner, on continue avec My Muesli, qui propose un calendrier de l'Avent tout à fait original. Et oui, il n'a pas de chocolat, mais par contre, à la place, il a du muesli. C'est vraiment très original, et en tout cas, c'est plus sain à déguster en petit déjeuner ou en encas. Ce calendrier est proposé au prix de 49,90€. Il va contenir 11 variétés différentes de muesli qui peuvent être aux fruits ou au chocolat. Et on va retrouver en goût, par exemple, choco-banane. Allez, on passe maintenant au calendrier beauté. Alors, le premier calendrier dont je vous parlais est un calendrier de Sephora. Donc à savoir que Sephora propose 3 calendriers différents. Je vais vous présenter les 2 premiers calendriers qui sont dans nos tarifs. En tout cas, ceux que je me suis fixés. Mais sachez qu'il y a également un troisième calendrier de l'Avent qui est à 119€ et qui a une valeur de 295€. Le premier calendrier de l'Avent dont je voulais vous parler est un calendrier qui contient 24 produits de beauté pour 44,99€ et qui a une valeur de 61€. Alors ce calendrier s'appelle Wild Wishes. Il est assez coloré, d'éléments assez sauvages, comme le tigre par exemple, ou encore les oiseaux, ou un petit lémurien, ici je pense à gauche. Niveau contenu, on va retrouver des éléments assez variés. On va par exemple trouver 2 cubes pour le bain. On va également retrouver des produits pour le corps, comme des capsules de crème de douche. On va ensuite trouver des produits pour le visage, que ce soit masque, gommage ou crème de jour. On a également du maquillage, donc on va avoir ombre à paupières, crayon, baume pour les lèvres, du vernis à ongles et des accessoires. Donc on va retrouver un miroir, une lime à ongles et une pince à cheveux. Le second calendrier de l'Avent proposé par Sephora et dans nos tarifs, et le calendrier de l'Avent Wild Wishes, mais cette fois en partenariat avec Kusmiti. Alors c'est un calendrier qui va proposer moitié thé et moitié produit de beauté pour 49,99€, et ce calendrier a une valeur de 87€. Alors côté thé, on va retrouver une boule à thé et 11 sachets de thé différents. Et côté beauté, on va retrouver principalement des produits pour le visage. Donc rouge à lèvres, mascara, gommage, masque, crème de jour et une crème pour les mains. Autre calendrier de l'Avent dont je voulais vous parler, c'est celui de Yves Rocher. Donc Yves Rocher propose un calendrier avec des produits de beauté au prix de 39,95€ et il a une valeur de 109€. Donc c'est un peu plus intéressant du coup que celui de Sephora. Déjà, le design du calendrier est vraiment sympa. Je trouve qu'il est très festif, avec ce bleu nuit, ses couleurs, ses fleurs, ses animaux et ses paillettes et ses étoiles. Je trouve qu'il est vraiment attractif déjà au niveau des yeux. Donc le design va changer par rapport au calendrier de l'année dernière. Parce que oui, j'avais pris aussi le calendrier de l'Avent Yves Rocher l'année dernière. J'en avais 2, j'avais craqué, j'avoue, mais j'en avais un au travail et un à la maison. Donc comme ça, au moins, ils n'étaient pas au même endroit. J'avais vraiment aimé le calendrier de l'année dernière,
Bon, le design était un peu moins beau que celui de cette année, mais les produits étaient vraiment super sympas. Et j'avais un peu peur que cette année, je retrouve les mêmes produits, mais en fait, pas du tout, parce que Yves Rocher a mis dans son calendrier des nouveautés, des nouveaux produits qu'ils ont sortis cette année. Niveau contenu, ça va être assez varié, comme le calendrier de chez Sephora. Donc on va retrouver des soins pour le visage, donc que ce soit des gommages, masques, baumes ou encore eau micellaire ou crème. On va également retrouver du maquillage, donc du rouge à lèvres, du mascara, du vernis et un crayon. On va également avoir des soins pour le cheveu, des soins pour le corps. Donc là, on va retrouver des crèmes pour les mains, des gommages, des laits hydratants et des bains-douches. Et aussi, on va avoir deux échantillons de parfum de 4 ml. Prochain calendrier sur ma liste, c'est le calendrier de The Body Shop. Donc c'est un calendrier de l'Avent avec des produits de beauté qui vaut 50 €. Mais sa valeur à l'intérieur est de 101 €. Donc c'est un calendrier qui est quand même intéressant en termes de coût, puisqu'on le paye moitié prix. Niveau design, il est assez intéressant. Il ressemble à une maison que l'on peut ouvrir. Donc les couleurs sont assez chaleureuses. J'aime bien ce violet et cette idée que c'est l'intérieur d'une maison avec les cadeaux qui arrivent. Niveau produit, on va retrouver des baumes à lèvres, des soins pour le cheveu, des soins pour le corps, des produits pour le bain et des accessoires comme par exemple une lime à ongles, un gant ou encore une fleur de douche. Cette année, My Little Box propose aussi un calendrier de l'Avent, un calendrier avec des produits de beauté. Ce calendrier va coûter 50 € pour les abonnés, ou sinon c'est 55 €. Et il a une valeur de 192 €. Alors là, autant dire qu'on est carrément gagnant. Alors à ce jour, par contre, il n'est pas encore en vente, mais ça ne saurait tarder. Et niveau contenu, eh bien on ne sait pas grand-chose, mis à part qu'il y aurait 14 produits de beauté et 10 accessoires. Mais pour en savoir plus, on devra attendre. Par contre, ce qu'on a à se mettre sous la dent pour l'instant, c'est le design du calendrier qui est, je trouve, vraiment travaillé. On va avoir ici un bâtiment type un peu parisien, je trouve, avec des boutiques en bas et des personnes qui habitent à chaque étage. Ça fait vraiment sympa et j'ai vraiment hâte d'en savoir plus sur le contenu. My Little Box n'est pas la seule box à proposer des calendriers de l'Avent, il y en a plein d'autres, et notamment Birchbox qui est devenu récemment Blissim. Donc ça, il propose un calendrier de l'Avent avec des produits de beauté également, au prix de 49 € pour les abonnés, sinon c'est 59 €, et la valeur de la box serait de 206 €. Alors là, encore une fois, on serait super gagnant. Niveau design, on va avoir une box qui, je trouve, fait très chic, très classe, avec une écriture un peu dorée, des fleurs roses rouges, avec des petites feuilles vertes et un ruban vert qui ferme la box. Je trouve que c'est vraiment très élégant et c'est aux couleurs de Noël. Au niveau du contenu, alors, ils ne sont pas très détaillés sur leur site internet. Alors, j'ai cherché un petit peu sur YouTube notamment et j'ai trouvé des filles qui présentaient des unboxings du calendrier. Donc, vous pouvez en trouver également. Et donc, du coup, ça nous donne un aperçu du contenu. Alors, on va retrouver dans ce calendrier pas mal de choses. Donc, du maquillage, comme du fard à paupières, des soins pour le visage, comme des crèmes de jour, des soins pour les cheveux, des produits pour le corps et des accessoires. Donc il est assez varié également au niveau du contenu. Par contre, bon, moi quand j'ai vu la vidéo de unboxing, je trouvais qu'il y avait des produits que j'avais déjà reçus dans les box. Donc ça me ferait des produits en double. Donc moi je pense que je vais pas partir sur cette box là. Mais elle a l'air vraiment super sympa. Autre calendrier de l'Avent qui a l'air intéressant,
c'est celui de l'Occitane. Donc l'Occitane nous propose un calendrier de l'Avent avec des produits de beauté qui coûte 59 euros et qui a une valeur de 99 euros. Le design du calendrier est joli. Il a des couleurs qui sont douces, donc des couleurs pastel. Donc ça fait vraiment un calendrier apaisant, je trouve. C'est vraiment joli. On va retrouver le côté Provence, forcément, avec les volets bleus, par exemple ici. Et bien sûr, le magasin Occitane qui propose ses produits. Donc je trouve ça plutôt sympa. Niveau produits, on va retrouver des produits pour les cheveux et également des produits pour le corps et pour le visage. Après, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de crèmes pour les mains. Il y a 5 crèmes pour les mains et un baume pour les mains. Ça fait un peu beaucoup. Moi, j'aime bien les crèmes pour les mains. Ah, c'est vrai que du coup, là, ça ferait le stock pour l'année pratiquement. Alors, je vous ai présenté ce calendrier parce qu'il était dans mes tarifs, enfin ceux que j'ai fixés en tout cas. Mais sachez qu'il existe d'autres calendriers de l'Avent, un autre à 119 euros et un autre qui peut être personnalisé à 89 euros. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir choisir les produits qui sont à l'intérieur. Dernier calendrier de l'Avent de ma liste, il s'agit de celui de Rituals. Donc Rituals, c'est vraiment une super marque, j'adore leurs produits, notamment leur gel douche qui sentent vraiment super bon. Niveau design, le calendrier est sympa, il ressemble à un grand immeuble avec des fenêtres qui vont représenter les fenêtres à ouvrir. Donc un immeuble rouge avec de la neige par-dessus, donc ça fait vraiment hivernal et Noël. Je trouve que le design est plutôt réussi. Et la marque propose un calendrier de l'Avent avec des produits de beauté à 59,90€, donc il est vraiment pile sous la limite. Et il a une valeur de 120€. Donc ce qui est pas mal comme économie. Niveau produits, on va y retrouver des bougies, ce qu'on n'a pas retrouvé pour l'instant dans mes autres calendriers de ma sélection. Une brume d'oreiller, également des produits pour les cheveux, des produits pour le corps et pour le visage et des accessoires comme une lime à ongles par exemple. Ce calendrier a l'air vraiment intéressant et j'imagine déjà les odeurs de ces produits de loin. Donc ça va être un calendrier en 2D et Rituals propose également un calendrier en 3D qui va ressembler à un petit village de Noël avec des maisonnettes qui vont contenir les produits. Il est vraiment super beau. Par contre, il excède carrément le budget puisqu'il est à 89 euros. Donc voilà pour cette vidéo de présentation des calendriers de l'Avent qui, moi je trouve, ont l'air intéressants. Donc c'est vraiment une toute petite sélection parmi l'océan de calendriers qui existent sur le marché. Alors, je sais pas si vous avez déjà fait votre choix. En tout cas, moi, j'hésite toujours. Surtout entre deux calendriers, qui sont celui d'Yves Rocher, qui a l'air vraiment sympa, et celui de The Body Shop. Alors, bien sûr, ils ont tous l'air super sympas, mais du coup, j'ai mes petites préférences pour ces deux-là. À voir, du coup, je me laisse encore quelques jours avant de les commander, en espérant de ne pas me faire avoir et de ne pas me retrouver avec des soldes épuisés et de devoir faire un autre choix. En tout cas, n'hésitez pas à penser au bon plan pour acheter les calendriers. Je pense notamment à iGraal qui permet de faire du cashback, donc c'est vraiment intéressant. Je ne sais pas si vous connaissez, en tout cas je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à vous inscrire et à acheter vos calendriers via iGraal si la marque du calendrier que vous avez choisi est partenaire avec iGraal. Du coup, il me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage pour choisir le calendrier parce que c'est vraiment un dilemme. Et je vous dis à bientôt pour des nouvelles présentations de box.